Bonsoir tout le monde. Alors, juste pour votre information, si vous avez attendu à l'extérieur de la salle ce soir, c'est une nouvelle façon de faire pour nous, parce que du moment que vous entrez dans la salle, c'est déjà en diffusion et enregistré. Alors, tout ce que vous dites ou faites, c'est déjà vu par le monde qui sont en ligne. Donc, si on ne veut pas qu'un événement malencontreux se produise, bien, ce serait bien soit de rester ou lorsque vous pénétrez dans la salle, en tout cas, soyez avisés que ça pourrait arriver. Alors, on va commencer avec les règles principales des périodes de questions. Alors, vous savez que tout le monde peut prendre la parole pour poser des questions. Il y a deux périodes de questions. Une qui est spécifique à l'ordre du jour, qui est toujours la première question de chaque séance. Et la deuxième qui porte sur des éléments généraux, toutes les questions que vous avez à poser au conseil. Alors, le conseil n'a pas à répondre immédiatement. Il peut vous revenir à une séance ultérieure ou vous revenir par écrit ou vous répondre immédiatement s'ils ont la réponse. Chaque personne peut poser une question et une sous-question. C'est d'une durée de 5 minutes et le temps total est de 30 minutes. Si le conseil désire prolonger la période de questions, c'est sur accord unanime de tous les membres du conseil. Alors, ceci dit, nous allons commencer la séance du conseil d'agglomération. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Bien apprécié. Alors, nous allons commencer avec l'ouverture de la séance. C'est Mme la mairesse suppléante Dominique Laverdure qui va présider la séance. Point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Point 2, est-ce qu'il y a des questions spécifiques à l'ordre du jour du conseil d'agglomération? Point 3, procès-verbaux. 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 13 juin tel que déposé. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin tel que déposé. Donc, la séance extraordinaire du 16 juin, c'était pour l'achat d'un camion autopompe pour le service de pompiers. Et comme les délais de livraison sont d'un an, il y a également le contrat d'une location d'un camion d'autopompe pour le même service. Point 4, les règlements. 4.1, c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 2022-A76 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation des bibliothèques municipales. L'objet de ce règlement vise à apporter quelques modifications pour une mise à jour des informations et règles quant à certaines conditions d'utilisation des bibliothèques. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Roxane donne l'avis de motion. Merci. Point 5, administration. 5.1, c'est le rapport mensuel. Le conseil prend acte du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance. 5.2, c'est une entente de financement dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités volet 2, provoquant, depuis 2021, le taux d'inoccupation des logements sur le marché locatif privé ont chuté de façon notoire sur les grands centres urbains, provoquant une hausse du coût des logements disponibles et a occasionné des difficultés sérieuses aux ménages à revenus faibles ou modestes en recherche de logements, particulièrement pour la période du 1er juillet ou encore suite à des sinistres. La Société d'habitation du Québec souhaite soutenir la Ville et à cette fin, la Ville et la Société doivent conclure une entente de financement. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités volet 2. Donc, comme vous le savez, cette année, la pénurie de logements touche de nombreuses régions du Québec. Avec cette nouvelle entente, nous allons être en mesure d'aider les ménages qui se retrouvent sans logement, le temps qu'ils réussissent à se loger dans un logement convenable qui respecte leur capacité de payer. Donc, la SHQ et la Ville se partageront les coûts de cette aide d'urgence à part égale, puis l'aide pourra servir également à aider les personnes sans logis à la suite d'un sinistre. 5.3, c'est une signature. Suite à l'entente de vente de biens intervenus entre la Ville et la Sûreté du Québec, il y a lieu de transférer l'immatriculation du bateau à la Sûreté du Québec. Il est proposé et résolu d'entériner la signature par le directeur général adjoint de l'acte de vente du bateau afin de finaliser son transfert à la Sûreté du Québec. 5.4, c'est une modification de la résolution de nomination sur différents comités.
il est proposé et résolu de modifier la résolution portant sur la nomination sur les différents comités de l'agglomération de Mont-Tremblant en nommant Mme la conseillère Catherine Drouin en remplacement de Mme Dominique Laverdure à titre d'ayant droit de la fiducie du domaine Saint-Bernard. Point 5, une participation. Il est proposé et résolu de désigner M. le maire Luc Brisebois pour représenter la ville et participer à la soirée célébration 50e anniversaire organisée par le Club des bons vivants de Mont-Tremblant qui se tiendra le 27 août au Salon de quai de Mont-Tremblant ou ailleurs s'il y a lieu et d'autoriser le paiement des frais au montant de 50 $ par personne. 5.6, c'est une autre participation. Cette fois-ci, il est proposé et résolu de désigner M. le maire Luc Brisebois pour représenter la ville et participer au tournoi de golf du maire de Sainte-Agathe-des-Monts, organisé par la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, qui se tiendra le 14 septembre au club de golf Sainte-Agathe et d'autoriser le paiement des frais au montant de 150 $. 5.7, c'est un avis de modification. Les membres du conseil doivent aviser par écrit la greffière de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration des intérêts pécuniaires. Le conseil prend donc acte du dépôt par la greffière de la déclaration d'intérêts pécuniaires modifiée de Mme la conseillère Dominique Laverdure en date du 12 juillet 2022. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Le conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance du conseil. Ce mois-ci, au service communication et relations citoyennes, Mme Caroline Dumas, poste temporaire à titre de commis réceptionniste à partir du 13 juin. Au service des travaux publics, M. Philippe Martineau, poste régulier comme chauffeur, journalier chauffeur opérateur à compter du 20 juin. M. Jérémy Tassé, un poste régulier, mécanicien de véhicules lourds à compter du 20 juin. Au service de sécurité incendie, Mme Christelle Musitali, un poste régulier comme préventionniste à compter du 27 juin. Et au service du greffe, Mme Sarah Lacoste-Claudel, poste temporaire à titre de commis réceptionniste à compter du 27 juin. Et au service de la culture et des loisirs, Mme Lynne Martel, poste temporaire commis culture et loisirs à partir du 11 juillet. Et Mme Jacinthe Duval, poste temporaire aussi au même service, à compter du 11 juillet aussi. 6.2, reconnaissance exceptionnelle. Considérant que depuis quelque temps, des circonstances particulières ont fait en sorte que plusieurs postes sont vacants dans ce service, dont le poste de gestionnaire de niveau 1, il est proposé et résolu d'entériner la décision de la Direction générale d'accorder, tel que son contrat de travail le permet, sur une base exceptionnelle, un montant forfaitaire unique par période de paie à l'employé numéro 1346 qui est affecté par cette situation depuis la vacance du poste de superviseur au sein de ce service, et ce jusqu'à ce qu'une ressource occupe le poste. 6.3, c'est aussi une reconnaissance exceptionnelle. Il est proposé et résolu d'entériner la décision de la Direction générale d'accorder à l'employé numéro 657 une base sur une base exceptionnelle, un montant forfaitaire unique, payable par les excédents de fonctionnement de la ville et de l'agglomération. 6.4, affectation intérimaire au service des affaires juridiques, division greffe. Il est proposé et résolu de prolonger l'affectation intérimaire de Mme Maud Picotin à titre de greffière adjointe, et ce jusqu'au 31 décembre, et de lui accorder la prime prévue à la convention collective. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin au montant de 463 627,46. Je vais vous donner quelques informations au sujet des comptes à payer. Il y a eu des dépenses de réparation de climatisation pour 13 373, un dépôt pour commande de vêtements pour les employés 11 000, un remboursement d'achat de chapiteaux au domaine Saint-Bernard 37 825. Il y a eu du chlorure de calcium pour les routes en gravelle de la ville pour 31 888. Et il y a eu des jardinières suspendues et des fleurs au montant de 32 962. Merci. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun sujet. Point 9, travaux publics. 9.1, c'est une acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux d'aménagement d'une dalle de béton pour le parc de planches à roulettes au parc Daniel-Lauzon
et de verser à Normec Construction Inc. le retenu contractuel au montant de 5 000 $ et que ce paiement soit effectué sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.2, une affectation budgétaire. Il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, d'affecter un montant de 20 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'acquisition et l'installation d'un nouveau module pour le parc de planches à roulettes au parc Daniel-Lauzon. 9.3, acquisition et installation d'abribus. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la mise en place de nouveaux abribus, dont les résultats sont les suivants. Premier soumissionnaire, manufacturier Shelltech, au montant de 50 980 $, et la deuxième est Industrie Fabco, au montant de 56 999 $. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat à manufacturier Shelltech, plus bas soumissionnaire conforme, et qu'un montant équivalent à 95% de la dépense soit remboursé par l'aide financière du MTQ dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun, la SOFIL, et que la dépense de 5% assumée par la Ville soit payée sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord. 9.4, c'est un contrat. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public pour le contrat de transporteur qui arrive à échéance le 30 novembre 2022 et qu'une seule soumission a été retenue. De plus, selon la loi sur les cités et villes, la Ville peut conclure le contrat à prix moindre que celui proposé par le soumissionnaire unique, et qu'il a été convenu entre les parties que le taux horaire des autobus au diesel serait réduit. Ainsi, les prix ont été révisés, les abaissant d'une somme de 49 500 $. Alors, l'option A était l'autobus hybride de type Nova LFS, au montant de 1 723 025 et l'option B était l'autobus à gaz naturel renouvelable de type Nova LFS. Alors, c'est les deux. Le soumissionnaire unique, c'est Galland-Mont-Tremblant. Le deuxième est au montant de 1 698 275 avec la réduction de 49 500 $ appliquée. Il est donc proposé et résolu d'octroyer à l'entreprise Galland, seul soumissionnaire et conforme, le contrat pour la fourniture et la mise en place du service de transport en commun des personnes, et d'opter pour l'option B, soit l'autobus au gaz naturel, que le contrat soit effectif pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2032, avec révision annuelle du taux horaire et ajustement prévu au document d'appel d'offres. Madame la greffière, j'aimerais ajouter que nous sommes extrêmement fiers aujourd'hui de vous annoncer que la Ville de Mont-Tremblant sera bientôt la première ville au Québec à offrir un service de transport en commun 100% gratuit et zéro émission carbone. Le contrat que nous octroyons aujourd'hui à Autobus Galland prévoit que notre prochaine offre d'autobus roulera au gaz naturel renouvelable. Ce gaz-là, c'est issu de divers procédés de captation de gaz naturel, là, par exemple par la biométhanisation des déchets organiques, ce qu'on appelle communément le compost. Sur 10 ans, c'est l'équivalent en CO2 de 7,5 millions de kilomètres en voiture que nous allons sauver. C'est directement en lien avec les objectifs de notre plan climat de réduire les émissions de GES liées au transport, qui constituent 70 % de nos émissions collectives. Alors, ce n'est pas anodin comme réduction. Si on avait besoin d'une raison supplémentaire de prendre le bus, bien, on en a une très bonne. Alors, merci et bravo au service des travaux publics et au service de l'environnement d'avoir osé sortir du cadre ainsi et d'arriver avec une solution aussi audacieuse. Les nouveaux autobus seront sur nos routes au courant de l'année 2023. Restez à l'affût. Merci. Merci. 9.5, c'est un contrat. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation pour élargir une portion de la rue de Saint-Jovite en direction de la montée Cavana, dont les résultats sont les suivants. Pavage Multipro ont soumissionné au montant de 69 907 $. Asphalte Bélanger au montant de 72 171. Interchantier, 80 156, et l'ont proposé et résolu sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord d'octroyer le contrat à Pavage Multipro, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 9.6, aménagement du toit de la patinoire Parc Daniel-Lauzon, c'est transaction et quittance. Suite aux mésententes quant aux obligations contractuelles de l'entrepreneur et à la nature du mandat confié à Gestion Lampron,
Gestion Lampron a déposé une réclamation à la Ville d'un montant total de 678 587. Lors d'une rencontre tenue le 13 juillet dernier, les parties ont convenu d'une entente hors cours de transaction et quittance. Il est proposé et résolu de verser, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, la somme de 375 000 en capital, intérêts et frais, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, de rembourser la somme de 160 236 $ correspondant au dépôt en garantie de soumission qui a été retenu en lieu et place du cautionnement d'exécution pour gages, matériaux et services, et d'entériner l'entente de transaction et de quittance conclue hors cours. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet. Point 11, culture et loisirs. 11.1, c'est un renouvellement de contrat. La Ville doit signifier son intention de renouvellement pour le contrat d'accueil, soutien et perception des plateaux sportifs et culturels octroyé pour les années 2021-2022 avec option de renouvellement pour l'année 2023. Il est proposé et résolu d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 2023 et de renouveler le contrat de Vivaction pour une somme maximale de 54 960 $. 11.2, autorisation d'événements. Il est proposé et résolu d'autoriser les événements suivants. Alors, le 19 juillet au 5 septembre, c'est la vente trottoir organisée par la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant. Alors, ça aura lieu sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant. Demi-marathon Mont-Tremblant, c'est organisé par Production Événements Plus, 13 et 14 août, sur le territoire aussi. Défi 808 Bonneville 2022, alors c'est organisé par Défi 808 Bonneville. Ça aura lieu le 16 et 17 septembre. Barrage routier pour le club de patinage artistique qui aura lieu le 24 septembre entre 9h et 15h. C'est à l'intersection des rues Pionnier et Saint-Jovite. Et l'Halloween, service de la culture et des loisirs qui organise l'événement, aura lieu le 31 octobre à partir de 15h à l'Hôtel de Ville. Et d'autoriser la fermeture des rues et des entraves à la circulation le 14 août et les 16 et 17 septembre. Madame la greffière, nous sommes heureux de vous annoncer que le Conseil a autorisé la vente trottoir de la Chambre de commerce qui se tiendra dans certains commerces jusqu'au 5 septembre. Il s'agit d'un bon complément aux terrasses et aux animations de rue, de même qu'à la boîte à surprises et autres festivals qui mettent de la vie sur nos artères commerciales. Merci. 11.3, l'écluse des Laurentines, carte accès Mont-Tremblant, c'est une entente. Il est proposé et résolu d'accorder aux travailleurs sociaux de l'écluse des Laurentides une carte accès Mont-Tremblant pour épauler l'organisme dans le cadre de sa mission auprès de la population et d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir. 11.4, subvention hébergement. Au mois de mars 2022, la Ville et la fiducie du domaine Saint-Bernard ont signé une entente de subvention relativement aux projets spéciaux. Considérant qu'il est justifié de déposer en deux versements la subvention de manque à gagner au niveau de l'hébergement, il est proposé et résolu de verser la moitié de la somme prévue à l'entente, soit un montant de 75 000 $. Et le second versement devrait avoir lieu au mois d'octobre. Point 12, incendie, nous n'avons aucun sujet. Développement économique non plus. 14, c'est acceptation de la correspondance. 14, rapport, nous n'avons aucun point. 15, acceptation de la correspondance. Le Conseil prend acte du dépôt de la correspondance suivante. Il y a ces deux lettres, une du ministère des Transports du Québec, qui annonce une aide financière pouvant atteindre un maximum de 48 752 $ pour la réalisation du projet d'acquisition de 4 abribus, et une lettre du ministère de la Culture et des Communications annonçant une aide financière de 58 300 $ afin de couvrir une partie des frais reliés à la réalisation du projet intitulé « Développement des collections de la Bibliothèque de Mont-Tremblant ». Point 16, affaires nouvelles. Point 17, période d'intervention des membres du Conseil. Il n'y en a pas. Joël? Non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon texte. Je vais le dire tantôt. Je suis en train de t'arrêter. On va le rapporter en ville. Point 18, deuxième période de questions. Alors, si vous avez des questions qui concernent des points d'agglomération, si vous hésitez, vous pouvez venir, on va vous le dire si c'est remis. Je vous voyais hésitant. C'est pas la question que vous avez posée, mais
poser une question là-dessus? Sur le calcium? Oui. Non, je n'ai pas de mémoire. Non, c'est moi que dans les comptes payables, qui avait du calcium pour les calcium liquide pour les routes, oui. Bon, mais ma question est, moi, j'habite au 205 chemin Ernie McCulloch, Guy Lapierre, mon nom. Et cette année, je crois que la ville a voulu sauver des sous. D'habitude, on fait un aller-retour. Le camion rentre et sort. Cette année, il est rentré en ne vidant rien, mais il est revenu naturellement en vidant. Donc, on s'est retrouvé avec du calcium dans le milieu de la rue, que quand les gens passent ces côtés, deux voitures, bien, les deux font de la poussière. Donc, ça ne donne à rien. Je pense qu'il y aurait lieu de vérifier avec les travaux publics à ce moment-là. Oui, on en prend qu'est-ce bonne qu'il y a note. On va en prendre note, puis on va vérifier ce qui a pu se passer. Ce que je peux vous dire, ce n'est pas une consigne qui a été donnée. Fait que je vais vérifier ce qui est arrivé dans ce cas-là, pourquoi ils l'ont fait juste sur un côté, mais normalement, ils devraient le faire des deux sens. Parce que d'habitude, ça coûte environ 40 000. Mm-hmm. Cette année, 32 000, puis tout a augmenté de 10 à 15 %. Je ne comprends pas. À moins que vous ayez pavé plusieurs rues, je ne sais pas. Non, dans ces cas-là, M. Lapierre, c'est que c'est un appel d'offre, c'est pour la ville qu'il fait pour la fourniture du calcium. Là. C'est avec l'achat regroupé de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Puis il arrive des fois qu'on a des meilleurs tarifs. C'est ce qui est arrivé cette année. D'accord. Deuxième question, est-ce que je peux la faire dessus? Oui, bien, allez-y, je veux vous dire, c'est en ville ou en agglomération. Celle-là est plus délicate, c'est sur le circuit. Ah, ça va aller en ville, par exemple. Ça va aller où? En ville. En ville où? En ville juste où? Après. Juste après. Donc, la à la deuxième période, vous allez rester avec nous un petit bout. Encore? Oui, vous allez m'écouter. Le maire n'est pas ici, hein? Bien, non, c'est une mairesse suppléante, c'est Mme Laverdure ce soir. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. À tout à l'heure. En ville. Donc, est-ce qu'il y aurait... Vous essayez? Oui, allez-y. Je voulais juste demander, sur transaction et quittance pour le parc, le toit de... Vous avez donné des chiffres. Vous avez dit 678 567. Ça, c'était le prix que ça coûtait, mais ça... C'est pas ce que vous allez donner. Alors, il y a eu un problème ou vous pouvez... Dans les faits, le coût du contrat était de 1,6 million. Okay? Oui. À l'intérieur du 1,6 million, il y avait une enveloppe de 75 000 $ pour des contingences ou des imprévus. Mais à la fin du contrat, pour y arriver, là, l'entrepreneur a réclamé tout près de 680 000 $ supplémentaires. Oui. Okay? Et puis, il y a eu des négociations... on a finalisé les coûts à 375 000 qu'on a accordés, qu'on jugeait justifiés, qui inclut 75 000 qui étaient déjà au contrat. Fait que dans les faits, c'est 300 000 de plus qui étaient accordés au contrat d'origine. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne soirée. Alors, nous allons poursuivre avec la séance du conseil municipal. Nous allons ouvrir la séance. Et adopter l'ordre du jour, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Est-ce qu'il y a des première période de questions? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à l'ordre du jour? Adoption des procès-verbaux, 3.1. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 13 juin en modifiant la résolution numéro 316 par le remplacement dans le titre et dans le texte de l'adresse de l'immeuble par les numéros de lot de son emplacement. 3.2. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin. Donc, la séance extraordinaire, c'était sur les points de la réparation du pont des Pionniers, l'autorisation des dépenses. Il y avait le tunnel sous la montée Ryan pour des études géotechniques et environnementales. Il y avait le prolongement du boulevard du docteur Gervais au niveau de la surveillance et du contrat. Et avis d'acquisition d'un terrain pour le projet CPE, la garderie L'Entretemps. Point 4, règlement, adoption de règlement 4.1.
Lors de la séance du 13 juin, un avis de motion a été donné et le projet de règlement modifiant le règlement 2002-15 afin d'instaurer un système de contrôle de fréquence de vidange de fosses septiques a été déposé lors de cette même séance. Le règlement consiste à clarifier le délai d'envoi des preuves de vidange. Aucune modification n'a été faite depuis le dépôt du projet. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2022-15-5. Pour les quatre prochains points, nous allons donner des avis de motion pour les projets de règlement d'urbanisme qui ont été adoptés à la séance du mois de mai et pour lesquels une consultation publique a eu lieu le 14 juin. Alors, 4.2, c'est le règlement 101-30 modifiant le règlement concernant les permis et certificats relativement à diverses dispositions. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.3, le règlement 102-66 modifiant le règlement concernant le zonage relativement à diverses dispositions. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. 4.4, c'est le règlement 103-20 modifiant le règlement concernant le lotissement relativement à diverses dispositions. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Roxane donne l'avis de motion. 4.5, le règlement 109-2 modifiant le règlement sur la contribution pour fin de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels relativement à la définition de projets de redéveloppement. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.6, c'est pour le règlement 102-66. Nous sommes rendus aussi à adopter le second projet de règlement. Il est proposé et résolu d'adopter le second projet de règlement 2022-102-66, pour lequel il n'y a eu aucune modification entre le premier et le second projet de règlement. Donc, une consultation publique a été tenue sur les modifications réglementaires proposées en mai dernier. On tient à remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont participé. C'est toujours bien important de le faire. Bien que les projets de règlement n'ont pas été modifiés à la suite de cette consultation, nous avons pris bonne note des commentaires reçus pour un prochain amendement réglementaire. Par contre, nous prévoyons à court terme également une campagne de sensibilisation sur le suréclairage des propriétés qui causent de la pollution lumineuse sur le territoire. Merci. 4.7, dépôt des résultats. Suite à la tenue du référendum le 10 juillet dernier portant sur la résidence de tourisme dans la zone RC400, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière de l'état des résultats. Nous sommes heureux qu'un grand nombre de citoyens et citoyennes du secteur visés par la modification réglementaire se soient prévalus de leur droit de vote et se soient prononcés sur la possibilité ou non de louer à court terme leur résidence située sur la rue Labelle, dans le secteur des rues Trudel et Aimont. En effet, le taux de participation a été de 55,4 %, ce qui est excellent. 32 citoyens et citoyennes ont voté pour maintenir le droit de pratique de l'usage résidence de touristes dans ce secteur, contre 19 qui souhaitaient l'interdire. Nous allons donc respecter ce choix démocratique. 4.8, le règlement 2022-117-2, modifiant le règlement constituant un fonds de roulement. L'objet de ce règlement vise à augmenter le fonds de roulement d'un montant de 500 000 $ pris à même l'excédent de fonctionnement, pour qu'ainsi le montant du fonds soit établi à 2 millions de $. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire le dépôt du projet de règlement et donner l'avis de motion. Sylvie dépose le projet de règlement. 4.9, le règlement 2022-185-2, modifiant le règlement établissant un programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie. Il n'y a eu aucune modification entre le projet déposé. L'objet de ce règlement vise à retirer les seuils par secteur ayant été fixés par le règlement, faisant en sorte que le montant total attribué pour ce programme soit pour l'ensemble des bénéficiaires. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 185-2. Point 4.10, c'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement. L'objet du règlement vise à interdire la circulation des camions lourds et des camions-outils sur les rues ou parties de rues suivantes, alors sur le chemin Paquette, sur le chemin La Pointe, sur le sixième rang entre la montée Cavana et la limite du territoire, et pour ce qui est entre la rue Labelle et la montée Cavana, pour le huitième rang, la rue Aimont et la rue Coupal. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour déposer et donner l'avis de motion pour le règlement 2022-202 relativement à la circulation des camions et véhicules de transport d'équipements et des véhicules-outils.
Sylvie dépose le projet de règlement et donne l'avis de motion. Merci. Point 5, administration. 5.1, c'est le rapport mensuel. Le Conseil prend acte du rapport mensuel de la Direction générale depuis la dernière séance du Conseil. 5.2, c'est la création et nomination pour le comité ad hoc. Suite à l'attribution du contrat en mai dernier pour l'élaboration des scénarios et l'établissement d'une vision et de principes d'aménagement des terrains municipaux dans le secteur du village, il est proposé et résolu de créer le comité ad hoc vision pour l'affectation des terrains municipaux dans le secteur du village et d'y nommer les personnes suivantes. Madame Christine Blais, à titre de représentante du comité des quartiers district 1 et 2. Monsieur Jean Beaulieu, à titre de citoyen. Madame Geneviève Tardy, à titre de citoyenne. Madame Catherine Drouin, conseillère. Madame Billie-Jeanne Gratton, conseillère. Ainsi qu'un représentant de la Direction générale, un représentant du service des travaux publics et un représentant du service de l'urbanisme. On a mandaté l'architecte Pierre Thibault pour se pencher sur l'aménagement du secteur village, donc plus précisément sur la fonction et le lien entre les terrains et les immeubles que la ville possède dans ce secteur, comme la plage, l'édifice Félix Calvé, la baie du Nord, le couvent. On veut une espèce de plan d'ensemble du village, on ne veut pas y aller à la pièce. On pense qu'il faut vraiment regarder tout le secteur et avoir une vision cohérente dans le respect et l'âme et l'ambiance du village aussi. Je pense que c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'on a nommé ce comité-là. Merci. Merci. 5.3, autorisation de signature. Suite à la création temporaire du poste de directeur réseau de sentiers, il est proposé et résolu d'autoriser le directeur réseau sentiers à signer les différents documents tels qu'entente de passage et responsabilité d'assurance additionnelle avec les propriétaires concernés. 5.4, autorisation de délivrance de constat d'infraction. Aux fins de l'application du règlement relatif au lavage des embarcations, il est proposé et résolu de nommer le personnel du service de l'urbanisme, du service de l'environnement et du développement durable, du service de sécurité incendie et du service des travaux publics et de les autoriser à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction aux dispositions de ce règlement. Point 5.5, c'est une participation. Il est proposé et résolu que mesdames les conseillères Billie-Jeanne Gratton et Catherine Drouin soient autorisées à participer au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra le 22, 23 et 24 septembre au Palais des congrès de Montréal et de payer la somme de 3 000 $ pour les frais d'inscription et de les autoriser à réclamer leurs dépenses inhérentes à cette formation. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste. Pour ce mois-ci, c'est au service des travaux publics. M. Jean-François Gauthier, poste régulier, à titre de chef d'équipe à l'assainissement des eaux, à compter du 4 juillet. 6.2, une nomination. Il est proposé et résolu d'autoriser la modification du contrat de travail intervenu le 23 août avec Mme Viviane Bellil afin de modifier son statut d'emploi pour celui de régulier dans la fonction de conseillère en environnement et ce jusqu'à compter du 19 juillet 2022. Alors, c'était le 23 août 2021. Que les sommes payables à compter du 19 juillet soient payables par l'excédent d'un fonctionnement non affecté et de modifier l'organigramme de la Ville en conséquence. Point 7, gestion financière. 7.1, la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin au montant de 1 763 458,25. Je vais vous donner quelques informations au sujet des comptes à payer. Il y a des dépenses pour la boîte à surprise de la place publique, la location et l'habillage de la place publique, de la boîte à surprise pour 18 935. Il y a de l'achat de carburant diesel pour les génératrices dues aux événements du mois de mai pour 24 269. Il y a eu aussi des réparations de sentiers de marche et de vélo dues à ce sinistre-là pour 20 573. Et il y a eu un versement de quote-part à la MRC de Laurentides pour 1 505 719. Et il y a le renouvellement de la licence de Sport Plus pour les plateaux sportifs de la ville pour un montant de 11 517. Merci. 7.2, résolution de concordance de courte échéance. En 2017, la Ville a emprunté pour l'acquisition d'immeubles dans le secteur village.
Les emprunts ont un terme de 5 ans, à la fin duquel la Ville doit refinancer le règlement par une autre période de 5 ans par l'émission d'obligations. Il est proposé et résolu que le règlement d'emprunt 2016-150, qui est acquisition d'immeubles pour la réalisation des PPU du village et du centre-ville, soit financé par obligation selon certaines exigences de la Caisse des Jardins, que les obligations soient signées par la mairesse suppléante et le trésorier, et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour l'année 2028 et suivante, les termes prévus dans le règlement numéro d'emprunt 150 soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans. 7.3, financement relativement à un emprunt contracté dans le cadre du règlement 2016-150. La Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. À cette fin, la Ville a demandé des soumissions pour la vente des émissions d'obligations. Le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes. La première, c'est Financière Banque Nationale Inc. et la deuxième, c'est Valeurs Mobilières Desjardins. Il est proposé et résolu que l'émission d'obligations au montant de 3 550 000 $ de la Ville de Mont-Tremblant soit adjugée à la Financière Banque Nationale Inc., que Service de dépôt et de compensation agisse en notre nom comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées et procède au transfert de fonds, et que la mairesse ou le maire ou la mairesse suppléante ou la greffière ou le trésorier soient autorisés à signer les obligations et autres documents requis par le système bancaire canadien. 7.4, c'est une radiation d'une créance. Le Saint-Amour épicerie urbaine s'est vu facturer depuis 2018 des frais d'occupation du domaine public pour une table à pique-nique devant son commerce. Considérant que la table a été enlevée, il est proposé et résolu d'acquiescer à la demande et de faire annuler les factures. Point 8, urbanisme. 8.1, c'est le dépôt du rapport du CCU. Alors, le Conseil prend acte du rapport du CCU pour la réunion du 6 juin. 8.2, demande de dérogation mineure parue dans le journal du 29 juin et sur le site Internet de la Ville. Si vous avez les ordres du jour avec vous, vous avez l'avis public. Alors, vous pouvez me suivre par les numéros des dérogations. Pour toutes les demandes, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU. 8.2.1, demande 2022, numéro 82, lotissement sur le chemin du lac Forget. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de reporter la décision à une séance ultérieure. 8.2.2, c'est la demande 2022-116 pour une remise au 90 chemin Prévost. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.3, c'est la demande numéro 119, garage et absence de décroché horizontal pour un bâtiment résidentiel sur le chemin Claude Lefebvre. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser le volet concernant l'absence de décroché horizontal sur la façade de 16,15 mètres donnant sur la rue, d'autoriser le volet concernant la construction de deux garages superposés, conditionnement à l'ajout de détecteurs de monoxyde de carbone dans les garages et les pièces adjacentes et au dépôt d'un plan d'ingénieur pour les planchers des garages. 8.2.4, c'est la demande 122, clôture au 552 rue Saint-Georges. Questions, commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser la dérogation pour le volet concernant la hauteur de la clôture, conditionnellement à l'ajout d'arbustes de style conifère d'un minimum de 1,5 m de hauteur afin de camoufler suffisamment la clôture 12 mois par année, de refuser la dérogation pour le volet concernant l'opacité de la clôture étant donné que la végétation pourra assurer l'intimité désirée de la cour. 8.2.5, la demande 125, un abri d'auto au 275 de chemin de Courchevel. Questions ou commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.6, la demande 131 pour un garage attenant au 147 rue Harrison. Questions, commentaires? Oui, vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît.
moi, je suis la voisine. Je m'appelle Christine Rock. J'habite à côté de cette maison. Malheureusement, on n'a pas vraiment tous les détails concernant la construction d'un garage attenant. Ça nous concerne pour plusieurs points. On peut seulement en devenir à ce point-ci, qu'est-ce qui se passe, mais on a beaucoup de pentes chez nous, beaucoup d'eau, beaucoup de problèmes avec l'eau. On se demande c'est quoi la grandeur, où est-ce que ça va être. Aussi, pour nous autres, on a une petite maison, donc toutes les chambres à coucher et la salle de bain sont dans le sous-sol. Alors, vraiment, on fait face là, dans le pente. C'est vraiment notre vue. Alors, s'il y a des voitures qui descendent encore plus, s'il y a des lumières, du bruit et tout ça, on se demande pourquoi on va perdre notre plaisir à la maison quand les voisins ont beaucoup de terrain. C'est pas qu'ils sont coincés, il n'y a pas d'autre option, c'est qu'ils veulent le mettre de ce bord-là pour être hors de vue de leur maison. Mais vraiment, c'est face à nous. Alors, bon, peut-être on pourra parler, mais à ce point-ci, on n'a pas les détails, on n'a pas les plans, on est juste un peu concernés. Merci pour votre attention. Mais écoutez, pour l'instant, la décision du conseil, s'il est proposé, résolu, de reporter la décision à une séance ultérieure, donc il en sera rediscuté. D'accord, merci. Merci pour vos commentaires. La demande 133, agrandissement du bâtiment principal au 247 chemin des Serres. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.8, la demande 165, une véranda au 35 chemin du Tour du Lac. Questions ou commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation conditionnellement à ce que le propriétaire s'engage à conserver les haies existantes afin de camoufler le plus possible la nouvelle construction vue de la rue et du lac. 8.2.9, la demande 168 pour une construction de deux bâtiments principaux pour un projet intégré sur le chemin du village Auberge Sauvignon. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Premièrement, j'aimerais savoir où sont ce projet intégré et concernant l'intégration, l'harmonie avec ce que ça va ressembler aux autres. Projet du Sauvignon ou ça va s'harmoniser avec le vieux village? Ou... Le terrain, il est entre la petite maison de Boiron mm-hmm. puis la maison verte. Oui. Donc, c'est ça. Donc, la demande vise à autoriser pour un projet intégré de deux bâtiments. Présentement, ce qui nous a été présenté, on l'a refusé. Donc, ils vont nous soumettre autre chose, puis voir si ça s'harmonise peut-être plus. Alors, ça serait dans le fond, ce serait quatre appartements, c'est ça? Je pense que c'est ça, c'est deux... Ouais. Deux bâtiments. Ouais, exact. C'est ça, exact. Oui. C'est possible de revenir au 122 en arrière. Ça a été vite un peu, puis j'aimerais juste avoir une précision. C'était d'autoriser la hauteur de 2,72 mètres. Est-ce que ça a été refusé? Ah, le 122, c'est autorisé conditionnellement l'ajout d'arbustes, puis on refuse le volet pour l'opacité de la clôture. Donc, ça a été autorisé de plus de 2 mètres. Oui. Oui. Parce que le terrain, la façon que c'est fait, il est vraiment, la clôture à part vraiment en creux, là, puis on est allé faire inspection des lieux, là, puis ça justifiait la hauteur dans ce cas-ci, là, mais on veut évidemment la cacher avec une belle végétation, puis... de régler l'opacité aussi de la clôture. Pierre Lacroix et Wes Carnes. Merci. Merci. Bon, pour ce qui est de 8.2.9, pour l'Auberge Sauvignon, il est proposé et résolu de refuser ces dérogations, compte tenu, entre autres, que l'ampleur du projet n'est pas adaptée aux dimensions de la propriété. 8.3, on est rendu au PIA. Alors, 8.3.1, c'est la demande 79 pour des travaux de modification d'une enseigne projetante au 1001 rue de Saint-Jovite, assujettie au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu de refuser ces plans et d'inviter le demandeur à modifier son projet
En revoyant la police d'écriture pour tenir compte de la longueur du nom de l'entreprise et en ajoutant un contour brun identique aux enseignes projetantes au-dessus. 8.3.2, c'est la demande 83, pour des travaux de construction d'une véranda détachée du bâtiment principal au 35 chemin du Tour du Lac, assujetti au PIA Corridor Agricole. Il est proposé résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes. Le remplacement du garde-corps en verre par un garde-corps en métal blanc, de modifier l'orientation de la toiture pour que la pente du toit soit dans le même sens que celui de la maison et que le propriétaire s'engage à conserver les haies existantes afin de camoufler le plus possible la nouvelle construction vue de la rue et du lac. 8.3.3, la demande 98 pour des travaux d'agrandissement et de construction d'un garage attaché au 184 chemin des Serres. Assujetti au PIA Refuge du Cerf, il est proposé et résolu de refuser ces plans, compte tenu que ce projet ne respecte pas les critères d'évaluation prévus au PIA. 8.3.4, la demande 111 pour des travaux de rénovation incluant le remplacement de 10 fenêtres, d'une porte et d'une porte-patio sur le bâtiment résidentiel situé au 505 boulevard du Dr Gervais, assujetti au PIA Corridor urbain. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.5, la demande numéro 113, pour des travaux de rénovation incluant la peinture des balcons avant et arrière, du crépi de fondation et des cadres de fenêtres du cabanon au 670 rue Labelle, assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'accepter ces plans conformément aux échantillons proposés à l'option 2 quant à la couleur. 8.3.6, la demande 117 pour des travaux d'installation de deux enseignes, soit une sur poteau et une à poser pour annoncer le Riopel consultant informatique, situé au 240 rue de Saint-Jovite, assujetti au PIA porte d'entrée principale. Il est proposé et résolu d'approuver les plans aux conditions suivantes, que le fond blanc soit remplacé par la couleur blanc cassé, que le haut de l'enseigne soit de la même hauteur que le bas de l'avant-toit, la réalisation à la base de l'enseigne d'un aménagement paysager et le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $ et de refuser les plans pour le projet d'enseigne à poser compte tenu que la forme de l'enseigne à poser ne s'intègre pas avec la forme du pignon du bâtiment où elle est installée. 8.3.7, la demande 127 pour des travaux d'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière au 35 chemin Napoléon, assujetti au PIA secteur de commerce. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement à l'ajout de détails architecturaux dans le pignon, de la toiture et sur la façade, l'augmentation de la pente du toit comme le toit du bâtiment existant, l'ajout de conifères côté stationnement et d'arbres en cour avant et au dépôt d'une garantie financière équivalente à 3 % de la valeur du projet. 8.3.8, la demande 128, c'est la demande de régularisation d'une station de pompage à neige artificielle suite à des modifications non autorisées au plan déjà accepté au 29-71-30-67 chemin de la Chapelle, assujetti au PIA domaine skiable. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes. L'ajout de planches cornières de couleur tomate séchée, l'application d'une peinture sur les fascias, soffites et équerres du perron, de camoufler la boîte des appareils électriques en façade du bâtiment. 8.3.9, demande 130, l'installation d'une enseigne projetante pour annoncer la crêperie Café Bistrot située au 965 rue de Saint-Jovite, assujettie au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans sous certaines conditions. 8.3.10, demande 132 pour des travaux d'agrandissement d'un étage et demi sur l'élévation droite du bâtiment au 247 chemin des Serres, assujetti au PIA Refuge du Serre. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement à ce que la clôture de perche soit réutilisée dans le cadre d'un aménagement paysager de qualité afin de conserver l'aspect champêtre. 8.3.11, la demande 135 pour des travaux d'installation de deux enseignes suspendues pour annoncer le café dépôt et la Diprix, et la modification d'une enseigne modulaire pour annoncer le microtel, le café dépôt et la Diprix situé au 235 Monty Ryan, assujetti au PIA porte d'entrée principale.
il est proposé et résolu d'approuver ces plans, le tout conformément au plan révisé. 8.3.12, la demande 139 pour des travaux de construction d'un bâtiment résidentiel et d'une allée de plus de 100 mètres dans une zone de forte pente sur un lot situé sur le chemin des Futaies, assujetti au PIA, projet de lotissement et terrain en pente. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes, le retrait de la piscine et le dépôt d'une garantie financière au montant de 14 000 $. Point 8.3.13, la demande 141 pour des travaux de rénovation modifiant les coloris et la façade du bâtiment et le remplacement de deux enseignes rattachées et une projetante pour annoncer Columbia, située au 116 chemin de Kandahar. Assujetti au PIA Base Sud, il est proposé et résolu d'approuver les plans pour le projet d'enseigne, une rattachée et une projetante, et de refuser les plans pour la modification des coloris de la façade, compte tenu que le choix de couleur pour la façade de bâtiment ne respecte pas la charte des couleurs de la station. 8.3.14, c'est la demande 145 pour des travaux de construction d'un bâtiment résidentiel et d'une allée d'accès dans une zone de forte pente sur le lot situé sur le chemin des Quatre Sommets, assujetti au PIA, projet de lotissement et terrain en pente. Il est proposé et résolu de refuser ces plans, compte tenu qu'il serait préférable de changer l'orientation du bâtiment ou de réduire sa taille afin d'éviter le dynamitage et ainsi protéger davantage l'aspect environnemental. 8.3.15, demande 147 pour des travaux majeurs de rénovation au 112-116 chemin Plouf, assujetti au PIA Noyau Villageois. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes. Alors, c'est le retrait de brise-soleil, le revêtement à l'étage et la réduction de 30 % du nombre de fenêtres au rez-de-chaussée du côté donnant sur le lac. 8.3.16, la demande 149 pour des travaux de construction de deux bâtiments faisant partie d'un projet intégré sur un lot situé sur le chemin du village, Auberge Souvignon, assujetti au PIA Rivière Cachée. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu du refus de la demande de dérogation mineure. 8.3.17, c'est la demande 164 pour des travaux de construction d'une allée d'accès située à l'intérieur de la zone de forte pente sur le lot, visé par le lot, c'est un numéro de lot qui est sur le chemin Claude Lefebvre, assujetti au PIA, projet de lotissement et terrain en pente. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes, alors qu'un plan de la gestion des eaux soit fourni avant l'émission du permis de construction, que les eaux de toit soient gérées entièrement à même le terrain et au dépôt d'une garantie financière au montant de 32 000 $. Point 8.3.18, ce sont des demandes de PIA qui sont toutes assujetties au PIA 25, qui est projet de lotissement et terrain en pente. Alors, la demande numéro 155, qui est sur le chemin des Pléiades, c'est pour une construction d'un bâtiment principal. La demande numéro 156, à vrai dire, ce sont tous des immeubles qui sont situés sur le chemin des Pléiades, mais ils ont tous un numéro, c'est des bâtiments différents, donc ont des numéros différents. Alors, c'est la demande 155, 156, 157, 158 et 159. Ils ont tous pour objet la construction d'un bâtiment principal. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes, que le demandeur embauche à ses frais un biologiste responsable du suivi de la gestion des eaux de surface pour toute la durée des travaux et qu'il envoie un rapport hebdomadaire à la Ville pour chacun des terrains, le dépôt aussi d'une garantie financière au montant de 40 000 $ par demande. 8.3.19, demande de PIA pour le CCU du 11 juillet. Alors, la demande numéro 169 concerne le 106 rue des Cervidés pour la construction d'un garage intégré. Il y a la demande 190 qui vise le 670 chemin de Cassiopée pour le revêtement de toiture. La demande 193 pour le 237 rue de Saint-Jovite pour l'ajout d'une porte. La demande 207 boulevard Docteur Gervais pour la construction d'une maison unifamiliale. La demande 208, aussi sur le boulevard Docteur Gervais, pour la construction d'une maison unifamiliale avec garage attenant,
Alors, pour cette demande, il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. 8.4, identification de Denim. Pour desservir un nouveau projet de développement résidentiel Brivia, localisé au bout du chemin des Pléiades dans le secteur du versant soleil, il y a lieu de nommer le chemin et les allées d'accès qui seront aménagées. Il est proposé et résolu de nommer le chemin et les deux allées d'accès, soit le chemin d'Orion, l'allée d'Andromède et l'allée céleste. 8.5, servitude de passage. Suite à une résolution adoptée au mois d'avril pour laquelle la Ville octroyait une servitude de passage afin de permettre à un propriétaire d'un lot enclavé de se rendre à son terrain, Hydro-Québec accordera aussi un droit de passage sur son terrain pour lequel la Ville a déjà une servitude, et ce, conditionnellement à l'intervention de la Ville dans l'acte. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le propriétaire à utiliser la servitude de passage établie en la faveur de la Ville et d'autoriser l'intervention de la Ville à l'acte de servitude à intervenir entre Hydro-Québec et le cessionnaire. 8.6, c'est un contrat. La Ville a procédé à une demande de prix auprès d'un professionnel pour la production d'un état de la situation de l'habitation qui servira de fondation à l'élaboration d'une politique de l'habitation. Il est proposé résolu d'octroyer de gré à gré le contrat à M. Alan Gaudreau, analyste conseil, au montant de 21 500 $. 8.7, demande de modification réglementaire. Les immeubles CGF a déposé une demande de changement à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser un magasin de produits et accessoires pour animaux au 359-365 € 117, considérant que la Ville ne souhaite pas actuellement changer les usages autorisés en bordure de la route 117 lorsque ces usages sont voués à s'installer ailleurs sur le territoire. Il est proposé et résolu de refuser la demande. 8.8, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du compte-rendu de la consultation publique du 14 juin portant sur les projets de règlement dont nous venons de donner l'avis de motion. 8.9, une requête introductive d'instance. Il est proposé et résolu de mandater la firme Prévost-Fortin-Daou Avocats pour représenter la Ville devant la Cour supérieure et pour déposer une demande introductive d'instance contre le propriétaire d'un lot. Point 9, travaux publics. 9.1, c'est un contrat de service professionnel. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels d'ingénieurs conseils requis pour des études de demande d'autorisation, pour études, demande d'autorisation, surveillance de travaux et préparation de plans et devis dans le cadre de l'agrandissement de l'usine de traitement des eaux, dont les résultats sont les suivants. Alors, GBI Expert Conseil a soumis un prix total de 1 079 000 et la portion plan et devis est de 670 000. FNX Innove, le prix total soumis est de 1 371 600 $ et le prix pour le plan et devis est de 827 800. Stantec Expert Conseil, le prix total soumis est de 1 241 338 et les plans et devis est de 756 969 $. Il est proposé et résolu d'octroyer à GBI Expert Conseil, soumissionnaire conforme, le contrat au montant de 670 000 pour les plans et devis, payables comme suit, soit le règlement 198, qui c'est le règlement décrétant un emprunt et une dépense de 600 000 pour la préparation des plans et devis. Alors, c'est pour le règlement 198, c'est la portion de 571 500 $ et le montant de 98 500 $ qui reste sera payable par la réserve d'égout centre-ville, d'octroyer le contrat de surveillance au montant de 409 000 $ donc la différence, conditionnellement à l'octroi de son contrat de construction de l'usine. 9.2, prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires. Il est proposé et résolu d'accepter la requête déposée par Constantino Investissement pour le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires sur une partie d'un lot adjacent à la rue du Moulin en se raccordant sur le réseau existant de cette rue.
Et le proposé est résolu que la Ville s'engage à opérer les réseaux d'aqueducs et d'égouts dès l'acceptation provisoire des travaux et à les municipaliser selon les conditions et modalités incluses dans l'entente relative aux travaux municipaux. 9.3, une acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux d'aménagement d'un chemin d'accès pour le départ du circuit canotable de la rivière de la Diable et de verser à l'entreprise Normec Construction Inc. la somme de 12 114,84 $, que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.4, une demande au MTQ. La sécurité des écoliers et des piétons doit être améliorée et la traverse piétonnière située à l'intersection des rues Labelle, route 117, qui est la route, 327 et de l'école. Et à cette intersection est située à l'intérieur d'un corridor scolaire dans le campus primaire qui comporte 5 écoles, ce qui engendre une quantité importante de déplacements, que ce soit par les écoliers, les piétons et les véhicules. Il est proposé et résolu de demander au MTQ, qui a juridiction sur la route 327, de procéder à l'installation de panneaux d'arrêt toute direction sur la rue Labelle à l'intersection de la rue de l'école. 9.5, c'est une affectation budgétaire. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 250 000 $ provenant à part égale des réserves d'aqueduc, d'usines et d'égouts afin de procéder à la mise à niveau de la télémétrie pour les infrastructures d'assainissement des eaux. 9.6, servitude et cession en faveur de la Ville dans le dossier Cap Tremblant. Alors, en vertu des ententes relatives aux travaux municipaux pour la réalisation du projet domiciliaire Cap Tremblant, la Corporation de développement immobilier Intercite s'est engagée à céder les rues, les réseaux d'aqueducs et d'égouts, incluant les stations de pompage et postes de surpression. D'autres parties doivent notamment soit céder à la Ville une parcelle de terrain, consentir à des servitudes de passage d'aqueducs, d'égouts et d'électricité et à des autorisations de passage sur différents lots. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de tout acte et document nécessaire afin de procéder à la municipalisation de la rue Montplaisant et des réseaux d'aqueducs et d'égouts, le tout aux frais de la Corporation de développement immobilier Intercite. 9.7, une affectation budgétaire. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 15 000 $ provenant de la réserve d'aqueduc Mont-Tremblant afin de faire procéder à l'inspection des filtres membranaires de l'usine de filtration au lac Tremblant dans un processus d'entretien préventif. 9.8, il est proposé et résolu d'affecter un montant de 20 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté pour les travaux de réfection et d'amélioration requis dans le cadre du projet d'aménagement d'un ascenseur pour la salle de spectacle du village. 9.9, c'est un contrat. Une période de recrutement est en cours afin de combler un poste permanent de superviseur à l'assainissement des eaux et il est nécessaire d'apporter dès maintenant une aide ponctuelle temporaire à l'équipe de service du génie et de l'assainissement des eaux. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à Aquatec, Société de gestion de l'eau, un contrat pour les services d'un superviseur à l'assainissement pour la période du 26 juillet au 21 octobre 2022, au taux de 101,40 $, payable par les réserves d'aqueduc, d'égouts et d'usines, conformément à l'offre de service, et d'autoriser le directeur général adjoint à signer le contrat de service en conséquence. 9.10, une affectation budgétaire, il est proposé et résolu d'affecter une somme de 20 000 $ provenant de la réserve d'égouts du secteur centre-ville afin de permettre aux services des travaux publics de procéder aux entretiens et réparations nécessaires pour le réseau d'égouts du secteur centre-ville. 9.11, il est proposé et résolu d'affecter un montant de 15 000 $ provenant de la réserve d'égouts secteur Mont-Tremblant pour les travaux d'entretien et de réparations nécessaires aux étangs aérés, station Mont-Tremblant. 9.12, une acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux pour le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires pour le projet de développement Via Tremblant, phase 2, secteur de l'allée de la Sérénité, et d'autoriser le service des travaux publics à retourner la garantie d'entretien en échange d'une garantie pour la cession des réseaux.
Point 10, environnement. 10.1, c'est un mandat à la MRC de Laurentides pour des achats de bacs roulants. Il est proposé et résolu de confirmer l'adhésion de la Ville au regroupement de la MRC de Laurentides visant l'achat de mini-bacs de cuisine et de bacs roulants, de confier à la MRC de Laurentides le processus menant à l'adjudication du contrat, que la Ville s'engage à fournir à la MRC la liste de ses besoins et les informations nécessaires à l'appel d'offres, et de s'engager à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle l'avait contacté directement avec le fournisseur. 10.2, c'est une affectation budgétaire pour l'achat de bacs. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 9 506,56 $ exonéré de taxes provenant de la réserve pour la gestion de matières résiduelles pour faire l'achat auprès de la MRC de bacs pour les matières résiduelles. Alors, ça va être l'achat de 21 bacs noirs, 21 bacs verts et de 22 bacs bruns. 10.3, subvention à l'Association des propriétaires et des résidents du lac Masquinongé. Considérant l'état avancé d'eutrophisation du lac Masquinongé et la prolifération de myriophiles à épis dans ce lac, considérant la demande de soutien financier de cette association pour assurer la réalisation et le succès de leurs actions, il est proposé et résolu d'accorder une subvention au montant total de 5 000 $ à l'Association des propriétaires et des résidents du lac Masquinongé pour l'achat de composantes et la fabrication par des bénévoles d'un ponton de travail qui servira à la gestion des bouts de des bouées de signalisation et au projet de bâchage pour le contrôle de la myriophile, d'affecter un montant de 5 000 $ provenant de la réserve financière à des fins environnementales. Point 11, culture et loisirs. 11.1, c'est un amendement à l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Les municipalités locales sont les premières responsables de la gestion des interventions lors d'un sinistre et la mission de la Croix-Rouge est notamment d'assister les individus, les groupes et les communautés qui vivent des situations d'urgence en leur offrant une assistance humanitaire. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'amendement numéro 1 et de verser, conformément à l'amendement, une somme de 1 948,50 $ pour l'année 2022 à 2023 et représentant un montant de 18 sous par habitant. 11.2, c'est le comité consultatif du réseau des sentiers. C'est une modification. Il est proposé et résolu de modifier la résolution de constitution du comité consultatif des réseaux et sentiers de la Ville en remplaçant la directrice du service de la culture et des loisirs par le directeur du réseau des sentiers et en ajoutant un représentant du domaine Saint-Bernard et de nommer M. Marc-André Paiement à titre de représentant du domaine Saint-Bernard. 11.3, autorisation d'événements. Il est proposé et résolu d'autoriser les événements suivants. Alors, du 3 au 7 août, c'est le FestiJazz Mont-Tremblant, organisé par le FestiJazz, sur les rues Charbonneau et Espace Public. Et la Fondation La Traversée organise une levée de fonds, exposition d'œuvres d'art et photos, le 6 août, de 9h à 19h. Et en cas de pluie, c'est remis le 7 août. C'est à l'Espace Public. Et d'autoriser la fermeture de rues et les entraves à la circulation du 1er août à 5h, au 8 août à 18h pour le FestiJazz Mont-Tremblant. 11.4, soutien aux athlètes. Loisirs Laurentides sollicite les municipalités pour rembourser les frais d'inscription de leurs athlètes pour leur participation aux Jeux du Québec qui auront lieu à Laval du 22 au 30 juillet prochain. Il est proposé et résolu d'autoriser le remboursement des frais d'inscription de 2 athlètes résidant sur son territoire au coût de 145 $ par athlète. Oui, check. Oui, 2 athlètes de Mont-Tremblant représenteront notre ville aux Jeux de Québec d'été à Laval dans quelques jours, soit du 22 au 30 juillet prochain. Il s'agit de Larissa Bruchig en natation et de Jimmy Galbraith au golf. Pour leur témoigner notre fierté et contribuer aux nombreux frais encourus par les athlètes d'élite, la ville s'engage à payer leurs frais d'inscription à ces Jeux de Québec. Merci d'être des modèles inspirants qui encouragent le sport et les saines habitudes de vie. Félicitations à vous deux. Tout le conseil vous souhaite bonne chance. Merci.
Point 12, incendie, nous n'avons aucun sujet. Point 13, développement économique. 13.1, c'est l'octroi de subventions dans le cadre du programme d'aide aux entreprises. Alors, il est proposé résolu d'octroyer une aide financière aux entreprises suivantes. 20 000 $ à Détour afin de permettre l'acquisition d'une vanne passager et l'obtention d'un permis d'agent de voyage, conditionnellement à verser un dépôt pour l'analyse du dossier, exiger l'implantation de nouvelles mesures pratiques de développement durable, fournir la preuve de l'obtention du prêt conventionnel et vérifier si l'achat du véhicule peut être fait localement, soit dans la MRC du Laurentide, et fournir une preuve d'assurance commerciale pour le nouveau véhicule. Aussi, de verser 20 000 $ à Le Fête Mardi afin d'effectuer le réaménagement de la salle à manger et des stations de service, de réactualiser le concept visuel du restaurant et d'installer une nouvelle terrasse permettant d'accueillir 26 clients supplémentaires, mais sous certaines conditions, dont notamment de verser le dépôt ou l'analyse du dossier, intégrer des pratiques de développement durable. Et la terrasse de l'entreprise doit également être conforme à la réglementation municipale et autorisée par le conseil municipal. De verser aussi 20 000 $ à Max Ski Service pour des travaux d'aménagement faisant de la boutique une expérience de destination et afin d'entreprendre un virage numérique tant au niveau du volet transactionnel du site Internet que de l'efficacité interne sous certaines conditions, dont notamment de verser le dépôt de l'analyse du dossier, intégrer des pratiques de développement durable, et c'est ça, de fournir des preuves d'obtention et de prévision financière. Cependant, c'est donc de refuser les demandes pour les entreprises Sunset Cantina MT Inc., c'est le SoCal Kitchen, et de Événements Plein Air AS. 13.2, nomination et soutien administratif. Pour événements sportifs Mont-Tremblant, alors les règlements généraux de événements sportifs Mont-Tremblant ont été modifiés. Antérieurement, c'est le maire et le maire suppléant qui pouvaient seulement être nommés sur le comité. Et l'amendement permet maintenant la nomination de deux représentants de la ville. Il est proposé et résolu de nommer Madame la conseillère Dominique Laverdure et la directrice générale à titre de représentante de la ville, et de permettre à Mme Christine Dugas d'assurer le soutien administratif à cet organisme. 13.3, destination touristique intelligente. Considérant le projet Accord Laurentide et de tourisme Laurentide visant à accélérer le développement numérique de l'industrie touristique des Laurentides, considérant l'expertise de l'organisme Technopôle IVO dans la mise en œuvre de certains projets innovants en lien avec les villes intelligentes, considérant la participation de l'AVT de Tourisme Mont-Tremblant et de la Chambre de commerce du Mont-Tremblant comme partenaire financier, il est proposé et résolu d'autoriser une entente à intervenir avec Accord Laurentide de Tourisme Laurentide et de verser à titre de contribution du milieu ville un montant de 16 500 $ qui inclut notamment la rédaction d'une stratégie de développement de la destination touristique, un plan d'investissement pour mettre en œuvre la stratégie, une feuille de route décrivant les étapes à franchir ainsi que les mesures de mise en œuvre, d'autoriser la signature du protocole d'adhésion de Technopôle IVO au montant de 2 650 $ afin de permettre d'accélérer le déploiement de projets d'innovation de villes intelligentes sur le territoire et d'autoriser le directeur Service développement économique à signer pour le nom de la ville l'entente, le protocole et tout autre document visant la réalisation de ce projet. Point 14, rapport, nous n'avons aucun sujet. Point 15, acceptation de la correspondance, nous n'avons rien. Point 16, affaires nouvelles. Point 17, intervention des membres du conseil. Oui, ça m'est revenu. Je peux le faire en ville, mais c'était de l'aglio. Je voulais tout simplement dire, je ne lirai pas le texte, ça ne fonctionne pas. Le mois passé, j'avais dit aux gens qu'on ramassait les branches et les troncs jusqu'au 30 juin. Après ça, c'était fini. Les gens continuent à en mettre, mais on ne peut plus en ramasser. Je pense que la ville a fait sa part. Je pense que les gens qui en ont mis sur le côté, c'est plate. On va me faire regarder, on va me faire lancer des roches. Mais il va falloir vous débrouiller, aller les porter à l'éco-centre, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné la chance de vous les ramasser, mais là, je vais vous remercier d'aller les porter. Point 18.
période de questions. Alors, c'est les questions ville. C'est le temps, là. Oui. Bonsoir encore. Guy Lapierre, 205 chemin Ernie-Mécolas. Et c'est pour vous la question, oui. Maire Séance, c'est ça? Oui. c'est le circuit. Oui. Vous savez qu'un jugement a été porté, un jugement définitif. Oui. Donc, quand la ville prévoit faire appliquer ce jugement-là? Donc, même si le jugement est généralement exécutoire dès qu'il est prononcé, les appelants peuvent toujours faire une demande dans la cour de suspendre le jugement, l'exécution du jugement. Donc, tant que la période de délai n'est pas expirée, en attendant, nous, du côté de la ville, on fait nos devoirs pour voir, là, dans le fond, avec nos conseillers juridiques, c'est quoi les différentes possibilités, les mesures qui peuvent être prises. On est dans l'embauche aussi encore d'un expert en acoustique, là, comme on a fait dans le passé. Puis, on va tenir compte de tous les intérêts là, divergents dans le dossier pour tenter de trouver un équilibre là, entre les droits de chacun et la tolérance des autres, là, pour voir, tout en suivant la norme qui est établie par la Cour. Donc, on attend que le délai soit expiré. Je peux répondre à ces réponses-là? Oui. La première, vous attendez qui au juste? On attend la Cour suprême? Oui, bien, la Cour peut suspendre le jugement. Tant que le délai n'est pas expiré pour ça, puis qu'on est sûr et certain qu'il est exécutoire. Il est combien de jours, le délai? C'est pas 60 jours? C'est 60 jours, me semble. Donc, c'est prêt, là? On est tout prêt. C'est bientôt. On est tout prêt. On est à l'étude du dossier. Et la deuxième, vous voulez faire des tests acoustiques? Ça fait 20 ans que des experts au Québec en font. Oui. Ils sont tous d'accord que le bruit était intolérable et excessif. Pourquoi vous voulez en faire donc? Bien, on va se conformer à ce qui a été établi par la Cour, mais vous comprenez que c'est un sujet qui a des opinions très divergentes sur le territoire, puis il faut tenter de trouver un équilibre là, pour le respect là, de l'ensemble des citoyens. C'est un dossier qui est très, très controversé. Il y a des pour. Hein? Mais nous, on va suivre ce que la Cour a remis de l'avant, puis on va trouver des solutions là, pour trouver un équilibre dans tout ça, là, pour essayer de trouver un bonheur conjoint là, pour les deux opinions. Un bonheur conjoint. Bon, ouais. Ben, on va essayer fort. Mais merci beaucoup. Et puis, je m'aperçois que vous travaillez tous très fort. Oui, on travaille fort. Merci. Merci encore. Hein. Merci. Bonne soirée. Monsieur Lacroix. Madame la mairesse, Madame la greffière, je vais commencer par le pot. Je suis déçu. On ne ramasse pas les branches. On nous l'avait promis dans notre copropriété. C'est impossible de les porter à l'écoute-centre. La quantité est énorme. C'est sûr qu'il va falloir aller aux petites sœurs de 7e rang. Mais notre copropriété va devoir engager les sous-traitants. Ils sont limités. On s'attendait à mieux. Je sais que ça coûte cher. Ça coûte, oui. Bien, on est rendu à plus que 300 000, monsieur. Mais vous pouvez aller voir les apôtres de l'amour infini, leur demander de l'aide. Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont faire comme ils ont fait avec nous. Ils vont leur... Probablement, je ne m'avance pas là pour eux autres, mais ils vont probablement vous demander de défrayer le diesel ou le gaz. C'est tout. Mais allez les voir, vous donnez votre adresse. Il y a Père Timothée ou Frère Marcelin qui va vous appeler, puis ils vont pouvoir discuter avec vous, monsieur. Okay. C'est ce que les gens ont fait présentement, puis ça va très bien. Les fleurs maintenant. J'aimerais remercier l'urbaniste. Merci pour votre réponse. On va le faire. L'urbaniste qui sont intervenus pour la situation de pollution lumineuse. Je sais que vous êtes sensible. Je réitère, puis pour la sensibilisation de ceux qui nous écoutent, je réitère que la réglementation de l'Acte Tremblant-Nord est très précise concernant leurs limites en zone de villégiature, soit 23 heures, et de permettre naturellement l'éclairage avec des détecteurs de mouvement. Exact. Ça, je veux dire, ça conserve l'aspect naturel de notre belle région. Fait. On est venu s'installer ici, ça fait 3 ans bientôt maintenant, mais je peux vous dire que ça affecte des fois la santé. Et puis capable. Ouais. Ça fait 2 plaintes qu'on fait. Alors, je pense que si on veut garder l'aspect, puis on veut regarder notre ciel étoilé, c'est important. Je m'excuse, je t'émotive un peu, mais donc pour ceux qui nous écoutent, il n'y a personne qui va être contre le fait que
À 23 heures, c'est suffisant. Puis si on s'inquiète pour des intrusions ou quoi que ce soit, la sécurité, bien, on a des détecteurs aujourd'hui. Des détecteurs de mouvement, oui. Donc, merci d'être sensible. Vous en avez parlé tantôt. Bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps de nous en faire part. Monsieur Savard. Aïe. Je l'attends, votre question. Monsieur Savard. Monsieur Savard, distonnant. Juste un petit retour sur les branches. D'abord, il y a trois félicitations à faire. La première, c'est sur le ramassage des branches. Je pense que ça a été exceptionnel. La deuxième, c'est sur le fait qu'on a des conseils, des séances de conseils en direct. Je pense que ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Moi, j'ai eu le privilège d'en garder une de chez nous il y a peut-être 2-3 semaines. Puis en passant, on vous voit tous et tous en gros plan. Je ne sais pas si vous le saviez, là. Puis j'ai une grosse télé à bord de ça. Alors, félicitations là-dessus. Puis, félicitations sur le transport en commun puis l'initiative de ce que vous faites au transport en commun. Il y a des belles choses qui se passent. Les branches, par exemple, ce que je me dis, c'est quand je regarde où on dépense des sous. Par exemple, le support aux entreprises, si je ne me trompe pas, à ce jour, on a alloué 120 000, 6 fois 20 000 $. Je vais parler du centre communautaire, 8,5 millions. OK? Alors, personnellement, si on dépensait un autre 100 000 pour dédommager les gens qui n'ont pas eu la chance de mettre leur branche, je pense que ça vaudrait la peine de le faire pour nos citoyens. C'est une opinion. Parce qu'on a les sous. Ah oui, 300 000, c'est beaucoup d'argent, mais je pense que nos citoyens méritent peut-être un autre 2-3 semaines, puis un budget maximum de 100 000, puis that's it. Puis les gens qui n'auront pas la chance de mettre leur branche avec une deuxième opportunité comme ça, bien là, à un moment donné, vous tirez le bouchon. Au mois de mars, conseil du mois de mars, Mme Fréchette, qui était juste la messagère, là, je mentionne Mme Fréchette, mais ce n'est pas elle qui a pris la décision, Mme Fréchette avait fait une liste, une énumération d'environ 23-24 organisations à but non lucratif de la ville de Mont-Tremblant, qui recevait à ce moment-là, puis je les avais rapidement notés, 63-64 000 piastres. Là, on parle de la maison de la famille, on parle de la maison des jeunes, puis on parle de 21 autres organismes qui, au total, recevaient dans l'année financière 2022 63 ou 64 000 piastres. Okay? Monsieur le maire, en lisant la lettre ou l'infolettre qu'on reçoit tous les vendredis, semble déterminé à dépenser 8,5 millions pour un centre communautaire, dont 4,5 millions est l'achat, qui est soi-disant passant 3 fois l'évaluation municipale. COVID a fait que les évaluations municipales, c'est un peu, on le sait tous, à part de ce qui se passe dans les derniers jours au niveau des taux d'intérêt, c'est rendu excessif. Mais on parle d'acheter une bâtisse 3 fois l'évaluation municipale. Si quelqu'un venait aujourd'hui et m'offrait 3 fois l'évaluation municipale de ma maison, je la vendrais immédiatement. Okay? Alors, tout ce que je dis, c'est je pense que ça vaut la peine peut-être de reconsidérer, pas nécessairement l'achat du centre de quai. Moi, j'ai mes opinions, ce n'est pas les miennes qui sont les plus importantes sur ce site-là, mais ce qu'on paye pour ce centre de quai-là. Puis après, on dépense un autre 4 millions, ça veut dire 8,5 millions. La première question, c'est est-ce que les études, au dernier conseil municipal, on avait parlé, on avait dit qu'il y avait des études qui étaient pour être menées pour évaluer la viabilité financière de cet achat-là, mais aussi la viabilité du site. Okay? Puis depuis qu'on a une ville, on a 3 pôles, on a 2 pôles, mais on a vraiment les communautés qui ont été rejointes lors de la fusion, qui étaient secteur village, secteur Saint-Javite, puis la paroisse. Okay? Alors, une des questions, c'est est-ce que ce site-là est un site idéal pour les gens qui se retrouvent au secteur village, par exemple. Alors, la première question, est-ce que ces études-là ont été complétées sur la viabilité financière et de l'emplacement comme tel, Mme la mairesse suppléante? Donc, les études sont en cours en ce moment sur l'étude de faisabilité, là, sur l'ensemble du projet. J'aimerais juste revenir sur le fait que, en ce moment, le projet qui est étudié, je pense que la Ville, ce qu'on a confirmé et affirmé, c'est qu'on veut se doter d'un centre communautaire. On croit que c'est nécessaire pour notre communauté. Oui. À ce moment-ci, il y a un projet qui est regardé, qui est le centre de Quille.
il est considéré en ce moment peut-être pour le centre communautaire parce qu'on pourrait également y mettre une section d'entreposage pour la ville qui est requise et de transférer les bureaux de culture et loisirs qui manquent d'espace en ce moment et qui sont un peu à l'écart. Donc, la raison pourquoi ce bâtiment-là est étudié, c'est parce qu'il peut répondre à trois besoins que la ville a en ce moment. Donc, le 8,5 millions, il faut faire attention, n'est pas relié directement au coût de construire un centre communautaire. On regarde plusieurs options. On a regardé, on a fait des études sur notre capacité de dépenser ces dollars-là. C'est confirmé, on est en très bonne santé et malgré tous les projets et les défis environnementaux qui s'en viennent, ce projet est viable. On regarde aussi différents emplacements, différentes solutions. Et on est en train de faire une étude aussi sur la valeur immobilière de la bâtisse. On se comprend qu'en ce moment, à Mont-Tremblant, avec ce qu'on a connu sur la pandémie, les propriétés se sont vendues 2-3 fois plus chères. Puis les évaluations qui sont courantes, qu'on voit, ne sont pas nécessairement faciles à évaluer aujourd'hui. Donc, on veut faire bien les choses. Puis si on considère cette bâtisse-là, si les résultats de l'étude sont concluants, si la valeur immobilière qui nous est donnée, on arrive à négocier avec le propriétaire et que ça nous permet de faire les trois projets à un moindre coût qu'une construction neuve, ça sera considéré. Mais là, c'est loin de dire que c'est fait puis que ça s'en va là. Tout ce qu'on peut vous confirmer aujourd'hui, c'est que la Ville veut se doter d'un centre communautaire et qu'on étudie ce site-là comme l'une des possibilités. Ben, j'aimerais mieux pas en parler en ce moment là parce qu'on ne veut pas dévoiler les recherches qu'on fait. Mais ça va venir, je veux dire, il n'y a pas... On regarde plusieurs options. Il y a des terrains qui sont à vendre, il y a des propriétés qui sont à vendre. La raison aussi du centre de quilles, autre que le fait que le projet peut répondre à trois besoins pour la ville, c'est qu'on regarde aussi un emplacement qui est desservi par le transport communautaire. Donc oui, vous avez raison, on a différents pôles, puis on veut desservir autant les organismes qui sont au pôle villageois qu'au centre-ville et tout. Donc on essaie vraiment de trouver un emplacement qui est desservi par le transport communautaire qui est offert gratuitement. Le coup, j'arrive du Cap-Breton, sur la côte ouest, un petit village qui n'a pas les moyens que Tremblant a, que Mont-Tremblant a. Ils se sont bâtis un centre communautaire extraordinaire pour 2 millions. Alors, ce qui me fatigue, c'est cet accord-là entre notre besoin et 8,5 millions. Je comprends les autres besoins qu'on a, mais 8,5 me semble excessif. Est-ce qu'on a l'intention, j'avais posé la question au conseil passé, est-ce qu'on a l'intention d'avoir un exercice à un moment donné de demander aux citoyens ce qu'ils veulent avant? Parce que dans les faux-lettres, là, on semble avancer puis on semble assez déterminé que c'est vers là où on s'en va. Est-ce qu'on va prendre le temps à un moment donné de demander aux citoyens ce qu'ils pensent? Je pense que la consultation va être de mise lorsqu'on va avoir l'étude de faisabilité qui va nous démontrer qu'est-ce qui est possible, quels sont les besoins, quels sont les espaces qui sont requis. À ce moment-là, on va pouvoir aussi décortiquer le projet du centre de quilles en voulant dire, bien, peut-être que dans cette bâtisse-là, la portion qui représente le centre communautaire représente un investissement de 2 millions. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le chiffrer comme ça. Mais l'étude devrait, je ne sais pas, on a notre conseillère, Mme Drouin, qui est sur le comité justement du centre communautaire et qui suit ça de très près et que j'en suis convaincue ne dépensera pas de l'argent qui est non nécessaire. Bien, surtout Mme Drouin, quand je sais que la maison de la famille reçoit de la ville de Mont-Tremblant 4 ou 5 ou 6 000 piastres. Me permettez-vous de répondre à cette affirmation? Oui. Vous serez d'accord avec moi que le propre du communautaire, tel qu'on l'entend, sont des organismes communautaires autonomes. Oui. Ça signifie qu'une partie du financement doit provenir de bailleurs de fonds, d'organismes plus, du réseau, des municipalités, des réseaux publics, et une grande autre partie doit provenir de son milieu en autofinancement. Le propre du communautaire, c'est le partenariat. Alors, quand on isole un bailleur de fonds comme ça à la lumière d'un chèque qu'on reçoit, évidemment, ça peut vous paraître très peu. Par contre, quand on parle de prêt de salle, de prêt de personnel, de prêt de matériel, de services d'expertise auxquels on bénéficie quand on est un organisme reconnu par son milieu comme des organismes que vous avez nommés précédemment, je peux vous affirmer que la valeur du soutien est beaucoup plus grand qu'un chèque qui se somme là à un chiffre comme celui-là. C'est important pour le milieu communautaire de ne pas avoir besoin
de se fier sur un bailleur de fonds pour garder son autonomie. On n'est pas, je parle au nom du communautaire, le communautaire n'est pas un sous-traitant des désirs politiques ou des priorités d'un organisme qui ne provient pas de son propre milieu. Alors, c'est une parenthèse que j'avais envie de vous offrir, M. Savard, parce que c'est important de regarder l'investissement de la Ville, je pense, dans son ensemble, dans ce milieu-là. Et effectivement, Mme Laverdure a tout à fait raison en disant que pour les gens du communautaire sont bons pour faire fructifier chacun des sous à son maximum. Puis soyez assurés qu'en siégeant sur le comité, je veille au bon grain là, de l'argent public. Ici. Sûrement, sûrement. Alors, ce que vous dites, c'est très logique, là, mais sûrement que COVID a rendu la tâche un peu plus difficile aux organismes comme ceux qu'on a mentionnés. Encore une fois, je ne veux pas avoir une diversion là, du sujet, mais le communautaire a su tirer son épingle du jeu par la très grande solidarité de son milieu. Okay, merci. Merci. J'ai une autre question, mais je vais m'assurer là, de ne pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Je suis ici pour 150 chemin des Vallons. J'aimerais partager avec vous une demande qui sera envoyée au MRC de ma part, de la part de tous les amateurs de tennis, les enfants, les adultes de notre région, les 200 plus membres du club de tennis de Mont-Tremblant et tous les membres de notre groupe Facebook « Sauver le tennis à Tremblant ». Alors, juste pour vous donner un petit arrière-plan, la question, elle viendra à la fin. La MRC des Laurentides, qui était autrefois un groupe de petites villes tranquilles à l'extérieur des grands centres urbains du Québec, a connu une grande croissance en tant que refuge de ces mêmes centres urbains. Cela a donné lieu à des priorités contradictoires. Comment soutenir la croissance démographique tout en protégeant la beauté naturelle et le mode de vie de notre région? Notre demande à la MRC concerne le tennis, et plus précisément, le tennis intérieur. Vous êtes sans doute au courant de la montée en flèche de la popularité du tennis au Canada et au Québec. En 2019, il y avait 6,6 millions de joueurs de tennis au Canada, une croissance de 36 % en 2 ans, de tous les âges, de tous les niveaux de revenus. De plus, la pandémie et la montée en puissance de joueurs canadiens tels que Ujeliasim, Fernandez, Shapovalov, Andreescu, n'ont fait qu'accroître la popularité du tennis depuis lors. Tennis Canada et Tennis Québec ont joué un rôle clé dans ce succès et ils expriment ouvertement le besoin de plus de centres de tennis intérieurs et pas seulement dans les grands centres urbains. Je vous partage après plusieurs références à des articles qui ont paru récemment, très récemment, dans la presse, dans le Global Mail. 2 articles dans la presse, 1 dans le Global Mail. Alors, la situation actuelle, où est-ce qu'on est maintenant, c'est que Mont-Tremblant compte actuellement de nombreux terrains de tennis extérieurs grâce à l'intervention de la ville de Mont-Tremblant. Merci beaucoup d'avoir protégé notre beau BNT et la création d'un campus sportif dans le cadre du développement label. Alors, vous avez déjà vu, il a déjà changé son panneau qui dit « c'est campus sportif, l'intention est très claire, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire là ». Alors, ces terrains que nous avons, ces terrains extérieurs, ils accueillent plusieurs tournois tout au long de l'été. Il y avait le circuit senior ITF, c'est International Tennis Federation, le Under 14 2022 Tennis Québec, le Under 14, 12, 16, 18 Tennis Québec, c'est des grands tournois. Et ça, sans financement de la ville. Alors, pas comme le Ironman, la ville n'a pas mis un sou là-dedans, mais ces événements, ils aident à l'économie locale car les participants ont besoin de nourriture, d'hébergement et de services pendant plusieurs jours jusqu'à une semaine. Alors, il n'y a pas la ville, pas de promotion, rien, mais ça, c'est peut-être la faute des organisateurs du tennis. Mais ces terrains offrent également plusieurs programmes de développement en collaboration avec la ville. Ça, la ville participe pour les enfants régionaux et locaux. Et ça, c'est toujours sold out. C'est vendu toujours chaque année. L'ajout de tennis intérieur augmenterait non seulement ses possibilités économiques pour Mont-Tremblant, pour les résidents, mais y attirerait également des visiteurs à Mont-Tremblant. Encore des revenus pour la ville, pour les commerces, pour les hôtels.
Alors que notre climat devient plus imprévisible et difficile, un centre de tennis intérieur offrira une alternative bienvenue aux amateurs de sport en été comme en hiver. Le zonage actuel stipule qu'un aménagement de tennis intérieur doit être situé à l'intérieur des pôles urbains, puisqu'il est considéré comme une entreprise commerciale, comme un IGA, comme un RONA. Alors, la recommandation que nous allons faire au MRC, c'est compte tenu de la taille d'un centre de tennis intérieur, c'est environ 4000 mètres carrés. C'est pas petit. Pour avoir 6 terrains de tennis, ça prend un gros bâtiment. Et du fait que les centres urbains, même ici, sont généralement axés sur une stratégie de développement plus dense, d'avoir des appartements, d'avoir quand même quelque chose de plus dense, nous demandons à la MRC d'approuver le changement de zonage pour permettre la construction de ceux-ci dans les aires d'affectation résidentielle à l'extérieur des centres urbains. Il y en a beaucoup. Plus précisément, nous croyons qu'un centre de tennis intérieur s'intègre parfaitement au campus sportif du projet Label. Il sera facile d'accès pour les résidents de la MRC puisqu'il sera sur la ligne d'autobus gratuite. Il sera situé sur la rue Champagne et non sur la rue Label, et donc il n'y aura pas d'effet à notre beau corridor signature qui est la rue Label. Et c'est idéalement situé entre les trois pôles de Mont-Tremblant. La ville Saint-Saint-Jovite, le vieux village, le centre de ski. Alors, et finalement, ce centre pourrait être géré par la même équipe de professionnels de tennis hautement qualifiés qui gère actuellement les sites extérieurs mentionnés ci-dessous, puis il y en a déjà 12 sur le campus sportif. Alors, ma question, après tout ça, c'est est-ce que la Ville peut confirmer leur appui dans cette initiative? Et si oui, et j'espère que je vais entendre oui, est-ce que nous aurons bientôt une réponse favorable du MRC? Oui. Merci beaucoup, Mme Seaborn, pour ce résumé très complet. Mais oui, la Ville est définitivement favorable. Il y a déjà une demande informelle qui a été faite à la Ville, comme je vous avais spécifié, à la MRC, pour le changement dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement. Donc, comme mentionné, nous allons réitérer cette demande de façon formelle dans la révision du schéma. Puis, c'était ce qu'on vous demandait, c'était de déposer un mémoire sur le sujet aussi pour nous aider également à faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Mais comme vous l'avez dit, je crois que le tennis est un atout pour notre région, définitivement. Puis, avec les intempéries de Madame Nature, tout sport intérieur là, va être bienvenu aussi sur le territoire. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais vous faire part, je vais copier les conseillers oui. Sur le courriel que je vais envoyer à la MRC d'ici 2 jours. Définitivement. Merci beaucoup. Je ne demanderai pas de me répondre tout de suite, mais j'appuie monsieur pour la proposition du ramassage des branches, peut-être un budget supplémentaire. Mais offert de façon différente, c'est-à-dire à la demande d'une association. J'ai entendu tantôt que vous aviez donné 5 000 $ à l'association du lac Masquinongé. Ça serait peut-être une option sur demande. Par exemple, nous, de l'association des propriétaires des plateaux Clermont-du-Bois, on vous ferait une demande pour pallier aux dépenses supplémentaires nécessaires. Parce que les bords de chemin, je vous le dis, là, on a été particulièrement touchés. Si vous avez la chance de passer, c'est branches partout, pas seulement des branches et des troncs d'arbres. Donc, ça va prendre de la machinerie, ça va prendre des camions zéro. Oui. Donc, merci de votre proposition. Mais peut-être sous forme de différents organismes. C'est possible. C'est toujours possible d'en discuter, définitivement. Si. Merci. Bonne soirée. Je vais savoir, dis Léonard. Une question de procédure, puis je vais prendre le cas du centre communautaire là, pour me guider dans comment je la pose. Il y a des sujets qui sont des sujets délicats, le montant d'argent d'un tel centre communautaire. Est-ce que les citoyens de Mont-Tremblant, puis ça se voit dans beaucoup de villes québécoises, canadiennes, nord-américaines, mais ça ne se voit pas en ce moment-ci à Tremblant, est-ce que les citoyens ont des opportunités de voir et d'être témoins des débats que vous avez entre vous conseiller quand il y a un sujet comme celui-là qui vient sur la table,
Alors, est-ce qu'il y a un processus où on peut être témoin de ces débats-là? Et est-ce qu'il y a un processus ou une opportunité pour les citoyens de Mont-Tremblant d'être témoins quand vous prenez un vote sur un sujet X qui est un sujet délicat? Je vais devoir me référer à la greffière. Bon, pour ce qui est des caucus, on va appeler... Non, ça, c'est pas possible pour le monde d'assister au caucus, c'est des réunions de travail. Pour ce qui est des débats, c'est plus sous forme de consultation publique, comme il y a eu pour les projets de développement, la modification réglementaire d'urbanisme. Alors, à ce moment-là, on reçoit les commentaires du monde. Et puis, il y avait une autre partie, je crois que je n'ai pas répondu. Lors d'un vote... Un vote, à vrai dire, les conseillers, à chaque fois que je fais une résolution, on avait pris pour acquis que lorsqu'il y a quelqu'un qui désire voter contre, il doit le mentionner. Sinon, le vote est considéré lors de chaque résolution. Alors, chaque conseiller vote, c'est vote en silence. Il y a des villes qui font lever la main. Donc, chaque résolution... Les conseillers doivent se prononcer et voter dessus. Lorsqu'ils ne parlent pas, ça veut dire que tout est beau et ils ont le droit quand même de voter contre ou de demander le vote. C'est des choses qui se font. Parce qu'au tout premier conseil, je pense, dans la nouvelle année ou après les élections, vous l'aviez fait, ça. Oui. Vous aviez demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Puis l'idée, ce n'est pas d'allonger les séances du conseil, là, bien, c'est ça que ça arrivait. Lorsqu'on voit toutes les résolutions, tous les PIA, il y en avait 17 aujourd'hui, il y avait plusieurs dérogations mineures, ça devient long, très, très long. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de remettre encore, là, de lever la main, je ne crois pas. Mais c'est aux conseillers de le mentionner lorsqu'ils ont qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose. Non, le principe... Madame la greffière, vous voyez qu'on s'accorde bien. Je suis capable de dire que je ne suis pas d'accord, inquiétez-vous pas. Ouais, en fait, je vais toujours penser aux citoyens, ouais, inquiétez-vous pas. Ouais, en fait, ce que je dirais, là, puis je finis avec ça, c'est qu'à ce jour, depuis la nouvelle année, il n'y a pas eu de cas où un des conseillers s'est opposé à quelque chose. Fait que tout ce que j'espère, puis je ne vous dis pas comment faire votre job... Tout ce que j'espère, c'est que le cas, par exemple, du centre communautaire, c'est que si, à un moment donné, il y a un conseiller ou deux ou trois qui ne sont pas d'accord, j'espère que les gens se lèvent et disent « Monsieur le maire, Madame la mairesse, wow, une minute, là. » Mais c'est quand même de leur responsabilité de le faire aussi. Oui, non, mais c'est parce que nous, on n'est pas témoins de ça. Puis il y a des villes où on peut être témoin de ça. Puis c'est ça que je pose comme question. Ça se fait en assemblée du conseil, ça, M. Savard. Vous avez lu vos conseillers. Quand je ne suis pas d'accord, je l'ai dit. Il faut avoir confiance aux conseillers que vous avez choisi d'élire. Puis je veux vous confirmer là, qu'on a des bons débats. Puis si on arrive ici avec un vote unanime, c'est parce que tout le monde s'est prononcé. Là. Puis c'est leur responsabilité de lever la main puis de le dire si jamais il y a quoi que ce soit. Puis je pense que Mme Gratton voulait rajouter quelque chose. Mais en ce moment, je finis, je m'excuse, les gens. En ce moment, on n'a pas l'opportunité de citoyens d'être témoins soit de ces débats-là, soit des votes ou de votre position comme conseiller. Bien, des votes, oui, parce que c'est là que ça se fait, pendant les séances. Oui, OK. Madame Gratton, je pense que vous avez quelque chose à ajouter? Quand il y a un débat puis on discute d'un sujet, il faut qu'il y ait, c'est pas nécessairement unanime, right? Il faut qu'il y ait une majorité. Que ce soit le centre communautaire ou un autre, je peux, moi, pas être d'accord, mais si je suis la seule à pas être d'accord, ça prend une majorité pour que le dossier passe ou passe pas. Ouais, je conclue. Moi, je pense que ça peut devenir, si on parle là, d'une belle démocratie municipale, là, ça devient aussi important qu'à un moment donné, qu'un conseiller, une conseillère qui n'est pas d'accord, que ce soit le centre communautaire, que ce soit quelque chose d'autre, soit capable de se sentir à l'aise dans votre groupe, de dire « moi, je ne suis pas d'accord », mais aussi publiquement. Parce que les gens s'en sortent, les gens ont l'impression là, qu'on vient ici au conseil, puis que c'est déjà tout réglé, puis qu'il n'y a pas eu de débat. Puis je pense que ça, si on considère notre démocratie locale, ça serait important qu'une fois de temps en temps, on voit qu'il y ait un ou deux ou trois conseillers qui disent « wow, moi, je n'étais pas d'accord, puis c'est important que le public, que les citoyens le sachent. On est complètement d'accord sur le sujet, là, M. Savard, complètement d'accord. C'est la responsabilité de chaque conseiller de se lever et de prononcer publiquement si c'est ce qu'ils désirent faire, qu'ils ne sont pas d'accord. Ça leur appartient. Je pense que le contexte Absolument. Est favorable pour ça. Il n'y a pas personne ici qui va à l'encontre de ça. Donc, c'est la responsabilité de chacun.
Puis, on ne fera pas exprès de voter contre juste pour être démocratique non, quand on s'entend, puis qu'on est d'accord aussi. Là, c'est, ça prend le juste milieu, mais je crois qu'on a le contexte favorable pour ça, puis que les conseillers qui sont alentour de la table ici ont tous le courage de se lever, de se prononcer si jamais ils n'étaient pas d'accord. Super. Merci beaucoup. René Doré, 486 rue de la Rivière. J'aimerais poursuivre sur le thème du centre communautaire. Permettez-moi de féliciter le conseil concernant cette initiative d'équiper la ville d'un centre communautaire. Puisqu'on nous a fait part que la décision concernant l'emplacement de ce centre n'est toujours pas prise, je me permets de vous informer que je doute de la pertinence d'envisager l'acquisition du centre de quilles localisé sur la 323 pour réaliser ce projet. Ce bâtiment d'apparence industrielle ayant vue sur la cour arrière du Loutec est complètement à l'écart de nos pôles d'activité touristique, naturelle et économique. En raison de l'emplacement de cette bâtisse, il semble évident que nos commerçants ne seraient pas en mesure de bénéficier des retombées économiques associées. En 2013, dans cette même salle, M. Collins de la firme BC2, à qui vous confiez à nouveau un mandat dans le cadre de ce projet, nous avait fait part lors de sa présentation des nombreux éléments de valorisation associés à notre milieu de vie. Ces mêmes éléments furent à l'origine de la localisation au centre-ville de la place publique qui jouit d'un vif succès. Avec un projet aussi mobilisateur que celui de se doter d'un centre culturel à l'image distinctive qui fait la renommée de Mont-Tremblant, ne serait-il pas judicieux de considérer l'acquisition des terrains de la rue Lacasse qui, avec l'hangar à Zamboni, borde la place publique? Ne considérez-vous pas que ces bâtiments mériteraient de laisser place à un centre culturel qui pourrait être un complément à la place publique, qui pourrait servir de lieu de débordement tout en étant, de par son achalandage, un apport économique pour nos commerçants? Selon mes calculs à titre d'architecte, la localisation du centre culturel en bordure de la rue Lacasse pourrait accommoder un bâtiment de 16 000 pieds carrés sur deux étages, ce qui représenterait une superficie équivalente à 11 fois la salle de conseil dans laquelle nous nous trouvons présentement. L'ajout d'un sous-sol pourrait aussi être envisagé, ce qui serait équivalent à 16 fois la superficie de cette même salle. La réalisation d'un centre culturel en bordure de la place publique nécessiterait la planification d'un accès au stationnement à l'arrière du restaurant Tipasto. L'accès à ce stationnement qui est localisé à 60 pieds de l'endroit proposé sur la rue Lacasse exigerait l'achat d'un droit de passage sur la partie en arrière-l'eau d'une résidence qui est adjacente à la rue Lacasse, étant secondé par bon nombre de citoyens et gens d'affaires. Je crois que toute autre alternative, incluant celle dont je viens de vous faire part, mérite d'être considérée afin de laisser place à une étude de comparaison. Le but de mon intervention était de vous informer que nous considérons que le choix, selon qui, dont vous évaluez le coût achat et rénovation 8 millions, est selon nous localisé dans un endroit jugé inapproprié. J'espère qu'on va avoir l'occasion de voir les études qui vont être proposées par BC2 et d'avoir des consultations publiques pour faire sûr que tous les citoyens peuvent se prononcer. Tout à fait. À ce sujet-là, ce serait très, très approprié. Merci beaucoup, M. Doré, pour votre solution, votre idée, des projets constructifs, des idées comme ça qui peuvent nous aider à la réflexion. Là, c'est toujours bienvenu. Là, on l'apprécie beaucoup, donc... on va l'étudier. Excellent, merci beaucoup. Je me suis permis de vous faire une petite illustration de ce que pourrait donner un bâtiment de 16 000 pieds carrés en bordure de la place publique. Si vous me permettez, Madame la mairesse suppléante, je vais les déposer. Parfait. Ce n'est pas évidemment de l'architecture de grand cru, là. On n'a pas eu le temps de faire ça, mais ça va vous donner une idée de ce qu'un volume comme celui-là peut avoir comme impact sur la place publique.
Génial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Alors, la période de questions, elle est terminée, de 30 minutes, elle est terminée. Est-ce que les membres du conseil, vous désirez la poursuivre ou c'est sur accord unanime? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On peut laisser une dernière question. Lors du procès-verbal du 8 mai, il y avait eu un contrat une offre de service qui avait été accordée à Estrie Canada concernant des cartes interactives. Est-ce qu'on a des dates ou est-ce que ça va être disponible ou pas encore? Là, on n'a pas la réponse ce soir, mais on va vous revenir avec la réponse, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Merci. Alors, on va procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. En vous souhaitant une bonne soirée. Merci.